La forêt inondée de d'Intaka, une des forêts les plus importantes dans le delta intérieur du Niger, qui abrite une colonie nicheuse importante d'oiseaux d'eau, autant migrateurs que sédentaires. Mais la forêt subit d'énormes pressions de la part des différents acteurs, notamment les éleveurs, qui chaque année mettent le feu de brousse, font une coupe abusive des arbres. Depuis les années 80, la forêt quand même a bénéficié d'appui de la part de l'UICN et après Wetland International, qui a pris le comité de gestion à mieux protéger cette forêt. Donc, à partir de novembre 2011, avec l'initiative What If We Change, Wetland a appuyé le village de Dentaka à restaurer cette forêt à travers l'approche BioRight. C'est ainsi que 50 hectares ont pu être mis en défense, protégés par les villageois de Dentaka. Au prix de plusieurs efforts, ils ont ensemencé des graines et semis à la volée. Au début d'hivernage, des graines d'acacia crépies qui ont germé, il fallait protéger. Malheureusement, avec la situation d'insécurité, ils n'ont pas pu avoir l'appui du service des eaux et forêts cette année, qui n'est pas présent dans le cercle. Mais ils ont fourni quand même quelques efforts de protection qui a pu donner ce résultat. Quelques jeunes pousses que vous voyez par-ci, par-là. Et les villageois se proposent de protéger ce patrimoine assez important. Donc les villageois ont mis en défense la première année 50 hectares, ont pu bénéficier de la première moitié du prêt. Et cette année, ils vont mettre en défense 30 hectares et la deuxième moitié leur sera versée au niveau de la caisse CAMEC. Mais pour le moment, ils n'ont pas versé intégralement le montant vu la situation qui prévaut dans cette partie du pays, malheureusement. Bon, nous voyons quand même qu'il y a satisfaction, même si la réussite n'est pas totale. Le fait même de voir qu'avec un certain effort, on peut préserver les jeunes pousses de cette forêt, c'est vraiment une bonne chose et ça donne espoir. Et ça veut dire qu'en conjuguant nos efforts et en poursuivant, c'est possible de restaurer cette forêt.